Blessé le 12 août dernier, lors du deuxième match de préparation du 15 de France face à l'Écosse, Romain Ntamack a malheureusement été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde 2023. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, le demi d'ouverture du stade toulousain s'est fait opérer avec succès le 31 août dernier. Mais l'absence du fils de Demil Ntamack reste un gros coup dur pour les Bleus, qui peuvent toutefois s'appuyer sur des éléments de qualité pour le remplacer, à l'instar de Mathieu Jalibert, qui a notamment réalisé une grosse performance face à la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture. Toutefois, le forfait de Romain Ntamack a contraint Christophe Galtier à modifier ses plans de jeu, selon Damien Traille. Je pense que le forfait de Romain Ntamack a changé le jeu de l'équipe de France. Romain était un élément important aussi, comme Antoine l'est. C'était la charnière qui était la plus utilisée sous l'ère Fabien Galtier. C'était les leaders du jeu, sur et en dehors du terrain. Après Mathieu Jalibert a réussi à se fondre dans le moule, a ainsi confié l'ancien joueur du 15 de France au Midi Olympique. Et d'ajouter, ce n'était pas une chose facile pour lui. Passer derrière Romain, mais quand on est encadré comme ça, de joueurs comme Dupont et Danti, Ficou, c'est rassurant, et ça permet de jouer un peu plus libéré. Et le contexte fait que cette équipe de France ne s'inquiète jamais. Est sûre d'elle et ça c'est important pour la confiance, et notamment pour un numéro 10. Face à l'Italie, le 6 octobre prochain, les Bleus, également privés d'Antoine Dupont, pourraient débuter la partie avec une charnière Lucu Jalibert.